7 janvier 1452, une jeune fille va bouleverser l'histoire de France. Nous sommes une minute avant Jeanne d'Arc. Quelle idée de me transformer en lapin. Comment je vais ouvrir la fenêtre maintenant? Ben, je vais essayer le morse, peut-être qu'elle connaît. Jeanne, ouvre, c'est moi, ton seigneur. Jeanne, c'est moi, ton seigneur. Papa, tu pourrais chasser plus loin de la maison, s'il te plaît? Je suis désolé, chérie. Je viens de dégommer un gros lapin. Ça nous fera de la viande pour ce soir. Jeanne, c'est moi, ton seigneur. Je dois te parler des Anglais. Bon, papa, ça suffit maintenant. Tu vas finir par blesser quelqu'un avec ton arbalète. Tu te rends compte? Encore un lapin? Mais c'est pas possible. Ça, c'est Dieu qui nous les envoie. Jeanne, c'est moi, ton seigneur. Je dois te parler. Monseigneur? Monseigneur est un mouton? Mais non, j'ai juste pris l'apparence d'un mouton. D'ailleurs, si j'avais su que t'étais bergère, j'aurais fait ça tout de suite. Enfin, peu importe. Bon, tu vas partir te battre contre les Anglais pour libérer le royaume de France, hein? Mais il faut que tu saches... Allez, hop, dehors, les moutons. Mais non, on part pas, j'ai pas fini. Mais oh, ils sont vraiment trop cons, ces moutons. C'est gentil de m'avoir prévenu. Oh, je suis désolé, hein. Non, ben c'est ça que je voulais te dire. Ne va pas à Rouen, les Anglais vont te brûler. Vous étiez obligé de vous transformer en animal? C'était ça ou le buisson ardent, et pour toi, je trouvais ça de mauvais goût.